Okay. Good afternoon, everyone. Ladies and gentlemen of the press, so we see we have a full audience here, and I'm sure many of you have many questions for the former Prime Minister, so we are going to do this in an orderly fashion. I'm going to request that all press wait to be acknowledged. You will have an opportunity to have your questions answered. First question, please. Comme bataille ça, son bataille juridique et politique lié, moi pas parler qui ça nous-mêmes comme haïtiens en général, ni la diaspora ni la caille, café soit changer ça ou bien pour nous dans bataille ça. Premier bar là c'est conscientisation, c'est mettre nous au courant. C'est pas là avec nous qui communiquer pour montrer qui ça le problème là. Ensuite Nous gagnons tout congressmen, nous gagnons sénateurs, nous boy ici parce que on est boy ici à tout gagner influence l'autre bois en Haïti tout. Et moi ouais, influence là. Il pas doué comme ça. Il pas doué comme ça non, mais il dit comme ça. Ça veut dire que nous gagnons influence ça que nous cap bail tout. Nous gagnons tout les médias sociaux qui est important tout. Parce que vous regardez, vous voyez les médias sociaux. Semaine ça, c'est une semaine critique. Parce que dès jeudi et demain, eh bien, vous allez commencer dans le format bureau pour l'autre contestation. Parce que, je vais vous expliquer comment le système fonctionne. Le candidat a besoin d'aller libérer tout le papier. Ensuite, vous avez un monde, n'importe qui est en Haïti qui a contesté. Donc, par exemple, dans le cas, ça a eu Anel Belize, ancien député Anel Belize, il conteste n'importe 5 ou 6 personnes, même peut-être pas. OK? Et il conteste moi-même, il conteste Thierry, il conteste aussi Fal, il conteste tout le monde net. Et quand il y a là, tribunal là-bas, un verdict, qui est ce verdict qu'il a. Il m'a dit rejeter un peu de monde, il m'a dit qu'il y a un peu de monde. Le fini, quand il y a là, il a fait appel, ou il y a un BCEN. Kounya la ça c'est dans bureau contestation nationale. Loal nan BCN nan kounya la sou perdu ou chiri parce que et pa gen recours. Ou gen dans la cour de cassation mais yo di que même yo indépendant. Donc BCN nan son dernier recours que lié. Kounya la le BCN nan travail accepto, CEP a li même li ka koulo avec une majorité. Donc son bataille lié. C'est mon bataille nous venons faire. C'est mon petit bataille, son gros bataille. D'ailleurs, bataille pour changer le pays d'Haïti, bataille contre grand goût, contre inégalité sociale dans le pays, c'est mon petit bataille non plus. C'est bataille ça tout que nous venons mener. Donc nous-mêmes, nous comprenons très bien que son bataille à long terme que lié. Mais il faut gagner un coup de terme pour long terme. The struggle that we're doing, the fight that we're engaging in right now, it's a fight for inclusion in the electoral process, for fairness and for free and fair elections. That's what we're doing today. And we are going to fight it all the way. Now, if we don't succeed, we're going to continue to protest in all non-violent and peaceful ways to do it. Because we are, you know, for the 31 months I was Prime Minister, I was fighting against violence. I was fighting against the practice of looting and burning. I don't believe in that practice. I believe in non-violent ways to express yourself through the legal channel and through the correct ways. And this is what Haiti, we have destroyed too much. We need to build. It's time to build the country, and that's what we started to do. We started to building security, we started to building the infrastructure. If you go to many parts of Haiti now, you will find paved roads, you will find less potholes in the roads, you will find buildings that are being built, you will find, you know, overpass now. And everything started, you know, in the 31 months that I was there. You will find also the social protection program that we started building because we believed that in a country like Haiti, we have to invest in our farming. We have to invest in the farmers, help them. And this is what we haven't done enough. And I'm conscious of that. Because you don't have to do everything at the same time.
Nous avons une situation d'extrême urgence. Premier jour nous arrivons, premier jour que nous arrivons comme Premier ministre, nous avons un primateur dans le bureau. Nous avons un air-conditionné qui va marcher. Nous avons un bureau, nous avons un bureau, parce que le Premier ministre qui est là en avant, c'est de la carrière de travail. Il va jamais venir dans le bureau. Internet n'est pas bon. Donc, il y a des gens qui me lèvent au pays. Côté 10 millions de personnes qui ont souffert de persécution. Et puis, le prix venant du bureau, il y a mal travail. Bon, pas internet. Donc, c'est là, that's where I had to start. I had to start fixing the internet connection so that I can send emails from my office because I couldn't. So, from there, we had to tackle the big problems. If you went to Haiti, you saw tents everywhere. People were living in tents all over the town. All over the town. And living, you know, you had violence against women. You had all types of issues within these tents, camps. You had all types of subhuman conditions. So that's what we had to fix. We had to start there. And the president had promised to remove everybody under the tent, and he gave me the mandate and the support to do it. He said he would put children in school for free. We have 1.4 million, but we needed to get to, he said, all the children. It's 2.5 million. We have 1.4 now. So we have 1.1 that need to go to school right now. And we had to build that from scratch. We found a country that was completely destroyed and that we needed to build from the core. But in 2.5 years, you know, if you're fixing a house, your own house here, it might take you a year or two to fix it or to build a house. Imagine building a country from scratch in 2.5 years. And that's what I was asked to do. And I don't want to blow my own horn because I don't like to do that. But we were on the right track. The country was moving in the right direction. You know, we came with a vision. The vision was first and foremost that Haitians be respected throughout the world. And when we traveled, you know, we met heads of states. We never had so many heads of states and heads of government visit Haiti in 2 years than ever in the past. The Prime Minister of Vietnam, the President of France just visited. We had the President of Venezuela. We had people starting to see Haiti in a different light. We were also promoting what we had best in Haiti, because we selling Haiti's poverty, it's an internal issue that we had to deal with. But to the world, it was important to show dignity and respect. It was important to show the good things that Haiti has, so that your coworkers, so that when you go out on the streets in Miami, in New York, in Orlando, in Paris, when they look at you, they're like, you have a government that supports you. You have a leader that is respectable and to be respected in the world. That's what we wanted. My name is Hans Fanon from 1580, 1580. Monsieur Lamothe, I'm bien content pour mentionner que ça qu'a fait qu'on y a là, processus qui est en cours là, qui est discriminatoire. I'm bien content que vous dites que c'est politique lié. Mais tout d'abord, avant que nous entrions dans la matière, qui nous dit que question pour diaspora voter là, est-ce que c'est un grand geste rhétorique lié, vu du fait que vous sortez mentionné processus qui t'a supposé abouti pour nous-mêmes pour nous voter là. Nous ne pouvons pas parler de ça pour le moment, à moins que vous arriviez président, le soit capable de faire une promotion, vous le soit capable d'implémenter. Mais ça, c'est une question, pardon. Est-ce que la campagne médiatique qu'on a fait là, journée aujourd'hui là, est-ce que c'est pas un exercice en futilité lié, vu du fait que Bête de l'Ouest, qui est censé être entité juridique, lui exclut lié quand t'es trois mondes, il la donne, c'est vous-même. Et il y a deux autres entités qui sont seulement habilitées pour agréer la candidature là, c'est BCENA, qui est l'autorité suprême CENA, avec le président Martelly lui-même qui est capable d'édicter par décret, il est capable de décharge. Et vous avez mentionné décharge, juge des référents, et grand pile conseil municipal qui passe théorie à la bêtise, vu du fait que c'est législature ou session bicamérale qui a supposé bon échange. Est-ce que, par exemple, et attitude
méthode de gestion, est-ce que n'est pas trop rigide qui fait que journée aujourd'hui là, il y a parlé de consommation de divorce entre vous-même et chef d'État. Et étant donné que Michel Martin, le président, c'est lui-même qui est capable exécutivement, pour action exécutive, pour bon échange, est-ce que ce n'est pas une raison qui fait que aucun problème sur les jours-là parce que vous divorcez avec chef d'État? Donc, copie document, ça, qui ça a montré? Il montre que ordonnant juge des référés, il a accepté. Il a accepté théorie formalité impossible là, pour deux anciens ministres. Il n'a pas accepté pour Laurent Lamothe. Donc ça veut dire que lui-même jugement lui-même l'y accepté. Donc là et c'est là que nous montons contradiction et c'est de ça qu'on a parlé. Parce que si vous étiez rejeté tout le monde en bloc, mais si vous étiez accepté tout le monde en bloc, pas d'aucun problème ça journée aujourd'hui. Mon pas qu'à faire triage. Quand on accepte un peu basé sur un jugement et pour exclure l'autre monde sous même jugement. C'est de ça qu'on a parlé. Ensuite, question de gestion trop rigide que vous avez parlé à. Bon, écoutez. Où Haïti, son pays, côté que toute institution est censée avoir un problème. Après tremblement de terre, nous venons un pays qui est écrasé. Nous perdons 300 millions de dollars chaque année sous frontière pour contrebande. Où venons un pays côté que moralité après ce pas d'exister encore. Côté que tout bas est normal. Côté que bandit a circulé. Côté que kidnappé et puis la police là peut arrêter kidnappé. Donc sous pas rigide pour dire la police là écoutez kidnappé ça que le relé Clifford Brandt ou bien que le relé Tijac fait travail et c'est comme ça qu'on est tout que obligé gérer pays avec une certaine rigueur. Parce que le pays a été tourné pour un savant, quand des gens font ça, ils veulent, les gens veulent. L'air veulent. Côté que, eh bien, l'idée normale pour les gens, kidnapper les gens, prendre l'argent pour les gens, et puis parfois tuer les gens, et puis rien n'arrive. Donc, rien d'impunité, moi-même, je ne suis pas d'accord. Question de impunité, je ne suis pas d'accord. Et, je dis un bagage. L'heure que, où jouons nos pays et tout, côté que ou ces pays plus pauvres dans la région et puis tout le monde a fait politique, personne pas réfléchi. Mon cher, on s'est passé avec grand groupe gain là, on regarde pour est-ce qu'on va mettre quelques petits restaurants communautaires pour nous bailler peuple là un petit manger pour aider. Donc nous mettons 400 restaurants communautaires qui gagne 200 000 monde qui t'a manger chaque jour. Donc encore une fois, qu'on y a là, faut qu'on rigide pour gain ça. Parce que ça lui-même, il vient rentrer ou on paquet chaque décision prend dans la vie, on a toujours une opposition à lui. Donc question de rigidité, on pas que on capable gérer un pays sans qu'on pas une rigueur dans la gestion. Soit gérer business pour là et puis ou quitter tout on a fait ça ou voulez. On garantit non moi business pas faillite et puis ou pas rien business encore. Donc faut qu'on une rigueur, faut qu'on faut qu'on sérieux dans la gestion du pays. Faut prendre le pays au sérieux. Faut prendre la population au sérieux. Et c'est ça que j'aimerais essayer de faire. Donc, question de décret, j'aime dire tout à l'heure. Le président lui dit que le pape n'a personne. Il n'a pas pris décret pour personne. Il dit qu'il n'a pas pris décret pour Laurent Lamothe ou bien pour X, Y, Z. Il n'a pas pris décret pour personne. Donc, c'est son décision que le prend. Le président prend plusieurs décisions. Je dois moi-même d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais je respecte le choix du président dans le sens ça, côté que je ne prends pas de décret pour personne. Donc, nous allons dans la voie légale, là, qui se voit, que nous suivons aujourd'hui. Et ça nous dit, hein, et j'en dis que la campagne médiatique, là, elle est claire. Il faut montrer à la population hein, que je suis jugement même, que je suis floche. Ensuite, que je gagne un autre ministre qui est dans la même situation avec moi, qui sait qui même pas un jugement, qui servit avec jugement PAM, et puis même il passe. Fini. Allô? Allô? Oui, Haïti TV. Alors, pour me rentrer un petit plus dans le sujet que Ernst a ouvert, pendant 31. Mais quoi, Antigène? Allô, allô?
Is that better? Yes, it is. Okay. Pendant 31 mois, ça, vous connaissez que durer ça, relation que vous avez avec Première Dame est détériorée. Sous Cadino, à qui date et pour qui ça, la relation avec Première Dame détériorée pendant 31 mois, ça, s'il vous plaît. Bon, Fota, moi-même, j'aime dire là dans toute interview, moi-même, Première Dame, non, soit un monde que moi connais depuis 15 ans, moi travaille avec Première Dame, non, Première Dame, son monde a toujours des relations cordiales avec elle. Et pendant que je suis Premier ministre, les relations n'ont pas de meilleures, il faut m'admettre. Mais moi-même, je dis que de côté, je ne vais pas faire rien avec Première Dame. Je ne vais pas faire contact avec Première Dame, je ne vais pas manquer le dégât, je ne vais pas jouer, je ne vais pas aller fort avec elle. La seule chose, que Première Dame, c'est un monde qui a un caractère qui est très fort, et moi-même, tout le monde a un caractère qui est fort. Donc peut-être que c'est une question de personnalité qui n'a pas matché. Mais ce n'est pas rien de l'État. Ce n'est pas rien de gérer l'État. Et donc c'est. Mais faut me dire tout, j'ai un peu de respect pour Première Dame. Non? Parce que Première Dame, lui-même, le travail qu'elle a fait dans le pays, il travaille ça. Tout le monde est capable de faire qui travaille que lui. Bon, l'autre bagarre là, tout, nous voyons que Première Dame vient candidat. Ok? Donc. Peut-être que ça a lui-même influencé, mais je me dis à moi-même pas rien contre Première Dame. J'ai un peu de respect pour lui. Merci.